Ah, c'est le petit démon. Oh oh. Oh oh. Qu'est-ce qu'elle fait? Oui. Le drone la pourchasse. Woo, elle s'en va. Un énorme merci à tous mes soutiens et bienvenue à tous les nouveaux membres de la Supermax Family. Merci du fond du cœur. Hey, comment allez-vous les amis? Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Moi c'est Max et bienvenue dans mes délires. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une toute nouvelle vidéo. Nous allons faire enfin la suite des pranks de Scary Teacher 3D. Là vous avez une belle vue sur mes dents. Il y a une mise à jour, 4 nouvelles missions, mais aujourd'hui on va en faire que 2. Ce sont des missions conséquentes et ce sont des missions spéciales Saint-Valentin. On va encore faire plein de petites blagues à Misty et à son copain Francis, super drôle. Mais avant cela, j'ai quelque chose à vous montrer. Et aujourd'hui, j'ai encore quelque chose que j'adore à vous montrer, quelque chose de technologique. Machine à café automatique à grains. Vous le savez, depuis quelques temps, j'avais envie de passer au café en grains, d'abandonner les capsules. Aujourd'hui, j'ai reçu la toute dernière machine de Krups, une machine automatique high-tech avec des couleurs, des LED. Je remercie déjà Krups de m'avoir envoyé la machine. J'ai besoin de café pour avoir toute cette énergie. Il me faut une machine robuste et solide. Place à l'unboxing. Et la voici, la voilà, la machine Krups. C'est le modèle Intuition Préférence Plus. C'est ce qui se fait de mieux actuellement dans les machines à café Krups. Automatique, hein, bien sûr. Vous le voyez, un design super moderne, un récipient à lait pour faire plein de recettes lactées, un écran tactile super grand, haute définition pour choisir les boissons, faire les paramètres, etc. Il y a des LED ici qui s'allument, on peut faire 2 tasses en simultané pour des espressos, on peut faire des recettes lactées, le carton est plutôt compact, c'est pas très très grand. Bonjour monsieur. Et la machine a l'air plutôt compacte. On va déballer tout de suite le couteau, comme ceci, et on ouvre, et je vous montre de plus près. Quand on ouvre, eh bien on tombe directement sur cet outil qui nous permet à mon avis de nettoyer la machine, c'est plutôt pratique. Nous avons ceci, et ça c'est pour le lait, une petite protection, le câble de la machine, le joli pot de lait, regardez, stylisé, gravé. Il y a même les mesures ici de la quantité, on peut mettre jusqu'à 600 ml. Il y a le logo Krups au-dessus, placé à l'intérieur, la petite buse ici pour aller puiser le lait dans ce bocal, refermer, mettre au frigo, pratique. Si nous avons la machine, je sors la machine, la grille qu'il y a au fond, là où on pose les tasses, le polystyrène. On apprécie, attention, dans le polystyrène, il y a ceci, le couvercle supérieur, on verra les grains en dessous, et là on a la machine. Et la voici, la voilà, la machine Krups Intuition Plus. Elle est super jolie, avec du chromé ici. Ça s'ajuste en fonction, eh bien, de la hauteur de votre tasse. À l'intérieur du réservoir à eau, c'est là où on met l'eau. Le réservoir à grains peut contenir 250 g de grains. Le réservoir à eau peut contenir 3 litres d'eau, donc ça permet de faire quand même pas mal de boissons en une recharge. Et il y a 15 recettes dans la machine déjà préprogrammées. À l'intérieur, c'est le filtre, tous les manuels, cette petite pochette en tissu. C'est plutôt sympathique, avec un scratch, et dedans il y a tous les manuels et également des accessoires, un anti-calcaire, la garantie, les manuels d'utilisation, petite tablette de nettoyage, comment nettoyer, tout est bien dessiné, expliqué, instructions pour comment régler la machine en fonction de la couleur du grain de café que vous lui mettez, c'est pour régler la finesse de mouture. C'est ici que ça se passe, c'est cette petite réglette que vous tournez pour régler la finesse de la mouture, 1, 2, 3, 4, 5 niveaux. Il suffit de tourner. Là, c'est l'écran tactile avec le bouton d'allumage, des boutons ici, Krups Intuition, les 2 petites buses pour faire sortir le café. Ça, c'est normal. C'est parce que les machines sont testées à l'usine pour voir si tout fonctionne bien. Et à mon avis, c'est des résidus d'eau. Je vais nettoyer, c'est rien du tout. Très compact, hein, vraiment, regardez. Il suffit de tirer comme ceci et je pense que c'est là qu'on récupère le café qui a été broyé, moulu. Marc de café, ça peut servir pour déboucher des canalisations, disparaître les odeurs dans vos poubelles, comme engrais également dans vos plantes. C'est là que vous mettez les petites tablettes de nettoyage, le sachet de starter set pour filtrer l'eau est fourni. Vous le mettez dans votre bac à eau et ça va vous permettre de filtrer l'eau. Je crois que ça va durer 2 ou 3 mois, donc c'est cool que ce soit fourni. Je vais l'installer dans la cuisine et je vais vous montrer directement sur l'écran comment ça fonctionne et me faire couler une bonne tasse de café. Voilà, j'ai installé la machine dans ma cuisine pour l'instant, elle est ici. J'ai pas mis le couvercle encore et j'ai pas mis le réservoir à eau. Je vais voir ce que ça fait à l'allumage. J'ai juste branché, on y va, on allume ensemble. C'est parti, ouh, ça fait bip. Petit écran qui me demande de choisir ma langue. Alors bien sûr, je vais dire le français. C'est un écran tactile, hein, donc il suffit de taper. C'est de la haute définition. Intuition Préférence Plus, vous le voyez. Il me demande la date. Eh bien, écoutez, comment ça se fait? C'est déjà la bonne date. Je valide. L'heure, eh ben 24 heures, hein, ça c'est bon.
Quelle heure il est? 18h07. Souhaitez-vous installer un filtre à eau? Oui, ils vont nous dire comment installer le filtre à eau. Donc il faut mettre le filtre dans le réservoir. Voici le filtre. Il faut mettre la date. Comme ça, ça nous rappellera de changer tous les 2 mois. C'est bon jusqu'en avril. Alors j'ai lavé hein, le réservoir. Faut toujours laver les choses. Nettoyer la machine. Ouh, elle s'allume en rouge. J'avais pas vu la LED. Ouh. On le met tout au fond du bac à eau. On visse. Ensuite, eh bien, il suffit de mettre de l'eau dedans. Et c'est tout. J'ai installé le filtre. Je fais OK. Remplir le réservoir. J'y vais. J'ai rempli le réservoir. Il faut mettre un récipient de 600 ml. Un gros mug. Je vais mettre ça derrière. Ça, c'est fait tout seul. Je vais mettre un récipient en dessous. Ça va faire le nettoyage, tout ci, tout ça. C'est fourni avec une bandelette comme ceci. Vous le voyez, pour tester la dureté de l'eau, voir si elle est plus ou moins dure. La machine a terminé de se nettoyer. Vous pouvez créer des profils avec ça. La machine, elle s'est initialisée. Je peux faire défiler toutes ces recettes. Je vous laisse regarder. Donc ça, c'est des recettes noires. Et ici, on arrive aux recettes que j'adore. Le cappuccino, le flat white, le latte macchiato, le café latte. On peut faire également du lait moussé, mais également du thé. Thé noir, thé vert, infusion. Ça va régler en fait la température de l'eau en fonction du thé que vous lui mettez. Dans les paramètres à l'entretien de la machine, on peut régler tous les petits réglages. Alors la lumière ne sert pas seulement à montrer les profils ou à personnaliser votre machine. Ça vous indique également quand est-ce qu'il faut remplir le café. D'ailleurs, on va le faire. L'eau et quand est-ce qu'il faut nettoyer le bac à marc de café. Vous voyez, quand j'ouvre ici, ça met du rouge. Je referme, c'est prêt. Magique. On va créer un profil. Ma couleur, évidemment, c'est le bleu plus foncé. Ouais, je vais prendre le bleu plus foncé. C'est max. Mes boissons, c'est pour personnaliser les boissons. J'ai choisi mon profil, c'est bleu. Un cappuccino. Je vais mettre le Starbucks Espresso Roast ici. Et comme ça peut contenir 250 grammes et que le paquet fait 200 grammes, je peux mettre tout mon paquet. C'est du dark roast. On va mettre 5. C'est déjà réglé sur 5. Formidable. Si vous étiez là, si vous pouviez sentir cette odeur de café là, c'est magique. C'est... Oh, j'adore. J'ai fermé. Alors le Quattro Force, eh bien, c'est la technologie Krups pour broyer les grains de café. Un moteur exclusif qui permet de vraiment bien broyer en fonction des réglages. J'ai installé ceci qui est le support pour mettre la buse. Et comme ça, c'est rangé. Il suffit de le plonger dans le pot à lait, comme ceci. Et c'est tout. Maintenant, on peut lancer une boisson lactée. C'est parti! Donc, j'ai placé mon petit récipient ici, transparent pour vous voyez. Je peux sélectionner la taille XL, L, M. Ça, c'est l'intensité, plus ou moins fort. Je vais laisser les réglages de base. Je clique sur cappuccino. C'est parti. Donc là, le lait est en train de sortir. Il va faire lui-même bien la mousse. Ça fait du lait chaud, mousseux. C'est génial. Il prend des petits grains, il les broie. Et voici le café qui sort. Et il me dit bonne dégustation. Merci beaucoup. Ouh, c'est très très joli. Rinçage lait, ça c'est génial. Ça permet de laver en fait la buse et tout le truc de lait. Oui, hop, on le nettoie. Et là, il va rincer. Ouh. Rinçage terminé. Cette intuition préférence plus, elle porte bien son nom. Hein. C'est très intuitif. Tout est bien expliqué grâce à l'écran, grâce au manuel. Très simple. Ça, on le referme, on le met au frigo. Il ne vous reste plus qu'à déguster votre délicieux café. Mmh. Vous l'avez vu, hein, cette machine est vraiment super cool, super technologique. Il y a plein de recettes à faire. Elle a l'air bien solide, bien robuste. Je vous mets bien sûr les liens dans la description si vous voulez retrouver cette machine exactement. Mais maintenant, il est temps de lancer le générique. Merci pour tous vos commentaires, vos messages. Et là, je vais lire 3 commentaires que j'ai sélectionnés de la vidéo The Twins. Oui, parce que j'ai refait The Twins, hein, le jeu des créateurs de Granny avec Granny et grand-papa. Le premier commentaire vient de Victor Sancartier qui me dit « Merci Max, je tiens à dire cela car en ces temps, j'ai passé à travers une dure époque à l'école et tes vidéos m'ont beaucoup aidé parce qu'elles m'amènent toujours du positif et de la joie et de la bonne humeur. Merci du fond du cœur, vive le Canada. » Et oui, vive le Canada, c'est mon rêve de venir au Canada, vous n'avez pas idée. Bon, je rêve aussi d'aller au Japon, en Australie, plein d'endroits. Mais voilà, le Canada, ça fait longtemps que c'est sur ma wishlist. Quand tout ça, ça sera terminé, j'espère me faire un voyage à Montréal. En tout cas, merci beaucoup pour ton commentaire et j'espère vous rendre joyeux. C'est mon seul objectif, c'est ma petite contribution à l'humanité. Donc voilà, si ça peut vous rendre joyeux, bien, si ne serait-ce que j'ai touché une personne, eh bien, c'est tout gagné pour moi. Donc merci pour ton commentaire et j'espère que tu iras de mieux en mieux. Le deuxième commentaire vient de Méline Mortier qui me dit « Je t'adore trop, mais aussi le nounours parce qu'il est trop drôle. » Ah, le nounours, le fameux ourson qui est là, toujours, hein, qui nous regarde pendant qu'on joue, qui est assis à côté de nous, c'est un peu la mascotte de la chaîne, et je... Attendez. Coucou! Merci à tous pour vos commentaires! Je sais que vous êtes nombreux à me mettre des commentaires, ça me fait plaisir! C'est moi la star! Mais il va se calmer, lui. C'est ma chaîne, hein, c'est pas la sienne. Et le troisième commentaire que j'ai sélectionné vient d'Amelia Frommols, qui me dit « Salut Max, et ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu es très amusant et drôle à la fois. Mais comment tu fais pour faire tout ça à la fois ?» Eh bien, c'est pas compliqué. En fait, il vous suffit d'avoir un clown dans le frigo, et tous les matins, vous en mangez une petite tranche,
Et voilà. Je sais pas, j'ai pas de recette. J'aime bien les blagounettes, j'aime bien faire rire les gens, et puis j'aime bien rendre joyeux. Donc, je pense que tout ce mélange-là fait que bah, j'essaye de véhiculer de la positivité et de l'humour à travers mes vidéos, et je suis content quand ça marche. Alors, merci à vous, plein de gros bisous, et merci pour tous vos commentaires. N'oubliez pas de laisser tout de suite des messages pour que je puisse vous sélectionner pour une prochaine lecture. Et maintenant, on va aller rejoindre l'espace gaming pour retrouver les nouveaux pranks à faire à Misty dans Scary Teacher 3D. Alors, suivez-moi, let's go! Wouh! Ça y est, je suis assis! Et l'ourson aussi, il est juste là! Si vous saviez comme il est content de retrouver Misty dans Scary Teacher 3D, autant que moi et autant que vous, je le sais, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, mais bon, on est obligé d'attendre les mises à jour, et il y en a une avec 4 nouvelles missions dans 2 chapitres différents. Suivez-moi durant cette nouvelle aventure Scary Teacher 3D, et bien sûr, laissez dès maintenant un max de pouces bleus. Je compte sur vous, let's go! Et nous voici dans l'écran d'accueil du jeu avec cette fameuse musique qui est revenue, hein, parce que la dernière fois c'était Halloween, donc c'est une musique un peu différente. Donc là je pense que la maison sera de nouveau normale, et je pense qu'il y a des niveaux Saint-Valentin, la fête de l'amour. Excusez-moi. Alors on va faire le mode carrière et je vais vous montrer parce que j'ai déjà été voir. Regardez. Alors, le chapitre 1, bon, ça c'est les premiers niveaux, on les a déjà fait depuis longtemps, ils sont débloqués, il n'y a pas de problème. Mais, regardez, chapitre 2, 3, 4, 5, 6, 7, on les avait déjà fait, on les avait déjà débloqués, on avait tout fait. Et bien maintenant, voilà, je ne peux pas y accéder, et je peux seulement débloquer pour 99 centimes, enfin, de dollars, donc ça correspond à 1,09€. Ça fait pas de sens, parce que le dollar vaut moins cher, mais bon, bref, c'est comme ceci. Alors, est-ce qu'il faut débloquer en faisant les niveaux, vous le voyez, de ces deux chapitres spéciaux, je ne sais pas et je ne pense pas. Donc ça se trouve, ils ont changé leur mode de jeu et maintenant c'est payant. Donc si c'est ça, bouh. Mais en même temps, tant pis, parce que nous, on les a déjà fait gratuitement avant. Donc voilà. Vous pouvez d'ailleurs retrouver hein, la playlist Scary Teacher 3D pour retrouver tous les niveaux du chapitre 2, 3, 4, 5, 6 et 7, hein, le dernier en date Halloween. Mais donc là, on sait pas pourquoi, c'est gratuit. Alors j'ai dû débloquer en regardant les publicités le chapitre Queen of Hearts et le chapitre New Year Festivities. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Parce que New Year Festivities, je crois que c'était avant, mais en même temps c'est peut-être le nouvel an chinois, je ne sais pas. On va faire dans l'ordre hein, de l'affichage. Donc on va faire le chapitre Saint-Valentin Queen of Hearts, et on voit qu'elle est en train d'envoyer des flèches de cœur à Francie. Francie qui est son petit copain, qui est également le Scary Neighbor 3D. Donc dedans nous avons deux chapitres, le premier, enfin deux niveaux, Stupid Cupid et Groom or Bust, qui est bloqué, mais en même temps, dès qu'on aura fini Stupid Cupid, à mon avis il va se débloquer. Donc on y va, c'est parti. Apparemment elle a un petit copain. Alors, pour cette Saint-Valentin, Misty, qu'est-ce que... Quoi ? Evil Match, ah oui, son partenaire de cœur démoniaque va venir pour la croquer dans le dos. Ouh, qu'est-ce qui va se passer ? Regardons la cinématique. Il y a toujours... Waouh ! Ça s'est développé par rapport au premier... Ah ! C'est le petit démon ! Mais elle vole ? C'est Cupidon démoniaque ! Ah, elle m'a envoyé une flèche ! C'est quoi son problème ? Ah d'accord, je suis tombé amoureux d'une poubelle. D'accord, tout va bien. Ça la fait rire. Ah bah, rigole. Oh oh. Ah d'accord. Donc elle s'est tiré une flèche dans le pied, et maintenant la prochaine fois qu'elle va viser quelque chose, c'est de ça dont elle va tomber amoureux. Elle, elle veut tomber amoureux du conducteur là, de l'employé qui est là, regardez. Et moi je dois bien sûr lui faire rater sa cible. Alors comment on va faire ça? Comment on peut lui faire rater sa cible? Oh, faut peut-être... je sais pas, qu'elle vise mal. Alors, pour qu'elle vise mal, quoi, des lunettes... Non, elle porte pas de lunettes. Pourquoi elle part de son Masquerade Ball? Ça fait longtemps qu'elle a fait son Masquerade Ball. On lui avait détruit sa chemise, sa robe. Sa chemise. Alors, on a de la gasoline. Bizarre, parce que c'est pas tout le temps là. Donc, je note. Je vais prendre l'acrobat. Et on va commencer par explorer, bien sûr, vous le savez, hein, les environs, la maison, pour voir si, eh bien, on ne va pas découvrir des objets nouveaux qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui nous permettront de comprendre ce qu'il faut faire. Parce que là, lui faire rater sa cible, alors peut-être qu'il faut trafiquer son arc. Peut-être. En tout cas, vous le voyez, hein, j'ai bu pas mal de potions. Non, j'ai surtout acheté avec des pièces, pas du vrai argent, mais des pièces que j'avais, de l'énergie en haut, parce que c'est ça qui nous permet d'avancer. Si c'est à zéro, on peut pas marcher. Super. Donc, déjà que les niveaux sont payants, puis en plus, maintenant, on peut plus marcher. Là. Bon, on va aller voir également dans le sous-sol. Tiens, on y va maintenant, puisque je vois pas de piège à loup. Et elle, elle est de toute façon au deuxième étage, enfin au premier étage, à l'étage. On la voit toujours hein, dans le petit truc en haut à gauche. Un jour, on jouera en enlevant ça pour faire des défis. Mais là, pour l'instant, on le garde. Donc, il n'y a rien. Ils n'ont toujours pas débloqué cette pièce qui est nouvelle.
Elle, elle est toujours en haut, donc on va explorer, on va aller dans la cuisine. Qu'est-ce qu'on a dans la cuisine? On a une tasse, du sel. Oh oh, je crois qu'elle va prendre l'escalier pour venir ici. Ah, on va s'en aller, hein. Voilà, voilà, voilà. C'est bon. Pourquoi elle vient toujours là où je suis? Mais c'est pas possible. Elle a un radar à enfant, celle-ci. Donc moi, je suis tombé amoureux de la poubelle. Ah oui, mais je suis la fille. D'accord, c'est vrai que je joue la fille. Donc, c'est pas moi qui suis amoureux de la poubelle. C'est mon ami. Ah, je lui en veux d'ailleurs. Hein. Il me trompe avec la poubelle. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des pinces coupantes. Oh, des pinces coupantes, attendez. Pour couper le câble du... Comment on appelle ça? De l'arc? Je cherchais tir à l'arc dans ma tête, mais c'est pas l'objet, c'est pas le tir à l'arc, hein. L'objet, c'est l'arc. Ah, c'est bon, elle est derrière dans son jardin. Donc, je vais en profiter, je vais explorer le bas, si j'ai le temps. Parce qu'elle, visiblement, elle va faire le tour. Alors ici, on n'a rien. Tac, tac, on se dépêche. Ici, on n'a rien dans cette pièce. Mais ouvre-toi, s'il te plaît! Alors, on n'a plus les petits démons, hein, donc tant mieux. J'ouvre quand même ici, il n'y a rien. La machine à jouer, elle fait rien. Par ici, qu'est-ce qu'on a? On va voir quand même, mais on n'a rien. Ok. Alors, pam pam pam, j'ai pas pu bien observer la cuisine. Enfin, qu'est-ce qu'on a? Rien. Dans le four, on a rien. On a de la sauce tomate. Je sais pas pourquoi, mais on a de la sauce tomate. Tac tac, on a rien. Dans le frigo. Ouvre-moi le frigo. Non, on ne peut pas. Bon, bah y a rien. Ah, elle revient ici. Vite, va-t'en, 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 va-t'en. C'est bon. C'est quoi ça? Un livre? Des chocolats? Pourquoi il y a des chocolats? Pourquoi il y a des chocolats? Ouh, chocolat! C'est quoi ça? Elle vient ici? Ah non, c'est bon, elle est dans le hall. Ah, je sais pas où elle est. Attendez, je vais monter par la cuisine. Ah non, elle monte aussi? Oh! Ah, elle monte! Mais que fais-je? Dans quel étagère? Ah, ok. Bon, j'aimerais également explorer en haut, s'il te plaît, Misty. Tu peux me laisser, s'il te plaît? Donc là, il n'y a rien. On va explorer quand même toutes les pièces. Il n'y a rien. Elle descend? Elle est là. Qu'est-ce qu'elle fait? Regardez, elle est en haut. Elle descend. Ok. Elle descend de la montagne en escalier. Ah, il y a une radio. J'allume la radio, peut-être que ça va la faire venir ici. Pendant ce temps, je vais monter en utilisant l'escalier de la cuisine. Voilà. Merci bien. Alors, je vais explorer l'étage. On a un pétard ici. Ou alors, il faut que je modifie les flèches. Ah, ben oui. Faut que les flèches, à mon avis, c'est ça. Peut-être il faut ajouter des plumes à la flèche. Vous savez, pour lui faire prendre le vent. Oh non, elle remonte. Mais elle est pénible, celle-ci. Faut que je trouve son arc et ses flèches. Dans la salle de bain, il n'y a rien. Ah, il y a de la lotion. Oui, non, mais ça, ça a toujours été là. Ouh, ah là là, allô, allô, lui. Cours comme t'as jamais couru. Voilà. C'est bon, on va explorer de l'autre côté, hein. On y va. On ouvre ceci, on ouvre cela. Ici, il n'y a rien. Je vais prendre la glue, on sait jamais. Peut-être qu'il faut gluer les flèches. Mais j'ai pas trouvé de flèches. Dans la salle de sport, eh ben, il n'y a rien. Ok. Mais il n'y a rien. Ah, il y a Francis qui dort. Qu'est-ce que je peux prendre? C'est quoi? What? IH8? C'est quoi? IH8 Kids? Qu'est-ce que c'est? C'était le mot de passe de son ordi. What? Blender Lead? Ok. Livré? C'est quoi que ce truc? Ah! Il faut que je lui fasse boire quelque chose de fort pour qu'elle rate sa cible. D'accord, j'ai compris. Donc il faut lui préparer un petit cocktail. D'accord, d'accord. Donc ça a été livré. Donc il faut que j'aille récupérer le paquet. Sauf qu'elle, elle monte. Oh! Et j'ai pas trouvé de somnifère ou de truc fort. Qu'est-ce que je vais... Alors moi j'étais complètement à l'ouest, hein. Moi j'étais en mode... Oui, je vais trafiquer les cibles, les flèches. Bon. Alors attendez, qu'est-ce que je pourrais bien lui faire boire? Peut-être que dans sa table de chevet, elle a des médicaments, non? Je sais pas. Non, elle n'a rien. Wow, en tout cas j'ai eu de la chance. Bon, j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé Francie qui m'a donné le mot de passe. Bon, on va descendre. On y va. Je vais chercher le paquet. Donc à mon avis, le blender...
Il lui manquait le couvercle pour pouvoir fonctionner. Donc, ah, c'est ça. C'est quoi ça? J'ai trouvé. Ah non, il faut que je le mette dans la bouteille. Oh, d'accord. Alors attendez, j'enlève la glu. Ok, je prends le paquet. Donc j'ai le blender lid. D'accord. J'ai ça. Maintenant que j'ai ça, il faut que je trouve quelque chose à mettre dans sa boisson. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Du chocolat? Ah non, du chocolat. C'est pas... Il n'y a rien de spécial. Ah, elle regarde son show télé, très bien. Ils disent quelque chose de strong. Qu'est-ce que c'est quelque chose de strong? Bon bah j'ai des chocolats, je suis content, mais ça va pas m'aider. Quelque chose de strong, de l'alcool peut-être? Je peux pas prendre l'alcool qui est là. Attendez, c'est peut-être dans la cuisine. Là y'a quoi, y'a rien. Moi je pense à des médicaments, des somnifères, mais bon. Ça se trouve c'est pas du tout ça. Ça c'est de la sauce. Ça c'est rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Rien, du ketchup. Oh, elle vient ici ou pas? Je crois qu'elle vient ici. Ah! Bon, je vais explorer. Par où elle vient? Elle est dans la cuisine, d'accord. Bon, il faut absolument que je trouve un objet spécial pour lui mettre dans sa boisson. Je sais pas quoi. Ah! C'est embêtant. Où est-ce qu'on n'a pas regardé? Je panique, moi j'ai des chocolats dans la main mais c'est pas ça. Attendez, c'est pas de la gasoline quand même, on va pas lui faire boire de l'essence. Qu'est-ce que c'est que ce doigt? Ça va sentir en plus. Ah, peut-être que les chocolats c'est pour couvrir l'odeur. Peut-être que le chocolat c'est pour couvrir l'odeur. Donc, on a la bouteille, on a... Il nous manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut broyer? À mon avis, il faut broyer du chocolat avec quelque chose de fort. Mais quoi? Qu'est-ce qui pourrait... Ouh, bonjour. Ah, peut-être dans la salle de bain. Attendez. Bon, bah là, il y a Francie. On va peut-être s'éloigner. Je pense que c'est dans la salle de bain. C'est souvent là que les Américains, ils gardent leurs médicaments, leurs trucs spéciaux et tout. Bon, je dis pas que ça se passe aux États-Unis, mais quand même. Ah, elle descend, donc tant mieux. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Rien. Rien. Là, on a quoi? Hair removal. Donc là, il n'y a rien. Dans cette salle de bain, il y a strictement rien. Peut-être qu'il faut que je fouille dans les placards, mais il y en a tellement que c'est un petit peu pénible. Là, il n'y a rien, il n'y a rien. Ici, j'ai déjà regardé. Ok, cette pièce, on l'élimine. Hop, on va finir par trouver. On va trouver. Là, il y a quoi? Il n'y a rien, là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ah, je suis maudit. Là, il n'y a rien, là, il n'y a rien. Oh, oh, saute. Là, il y a un pétard, on va pas lui faire boire un pétard quand même. Dans cette salle de bain, qu'est-ce qu'on a? Rien. Du. Ndou. D'accord, c'est pas dans la salle de bain. Mais c'est où cet objet? Je ne le trouve point. Alors, j'ai récupéré la cafetière, mais je sais pas si ça va être ça. Bah non. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça, moi? Alors, apparemment, il y avait du café... Ah, il y a du café quelque part. Bon, alors, j'ai également trouvé quelque chose d'autre dehors. Alors, attendez, il faut que je récupère la machine que j'ai jetée. Merci. Et je vais récupérer quelque chose dehors. Je pense qu'on va y arriver. Attendez, hein. Dehors, il y a quelque chose... On est passé devant. On n'a pas fait gaffe. Et ça permet de faire là, le breuvage. Le breuvage un peu maudit. C'est ça, des fraises, des petites vraies fraises. Et oui, c'est la Saint-Valentin, donc on prend les fraises. Merci, fallait les voir, hein. Donc, je retourne dans la cuisine en espérant qu'elle me laisse tranquille. Puisque cette Misty fait sa petite ronde, hein, on la connaît. Bon, attendez, on va passer par là. Hop là, merci, merci. Est-ce qu'elle va... Elle est où? Oh non! Non! Elle descend ou pas? Oh, elle arrive par là. Alors, attendez, je ferme la porte. J'observe, voir où elle va. Parce que moi, il faut que j'ai un petit peu de temps pour faire mon petit cocktail. J'espère qu'elle va pas voir que j'ai enlevé la machine à café. Oh non, sinon, faut tout recommencer. Pourquoi je peux plus faire le café? Oh, ça se trouve, il fallait pas prendre la machine à café. Oh, faut que je recommence parce que j'ai pris la machine. Alors, je suis de retour dans la cuisine. J'ai tous les objets. Donc, on prend le café strong et je fais du café. Oui! Oh, fallait pas la débrancher. Voilà, mets le café dans la bouteille. Ok, donc j'ai la bouteille. Voilà, le café est là. Je remplis. Voilà. Mets le café. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Non, 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 non. Suis-moi, suis-moi. Youhou, je suis là. Non, non.
Fallait qu'elle me suive. Je recommence. Voilà, on attend que le café se fasse. Oh oh, pourquoi elle revient déjà? Oh oh. Prends-la. C'est bon, je m'en vais. Tu me suis cette fois. Misty, non! Alors apparemment ça a fonctionné, j'ai replacé la bouteille sur la table après avoir fait la mixture. Regardez. Oui! Oui! Elle boit mon mélange, donc du coup elle va être un peu énervée. Wouh! Oh oh. Elle va tomber amoureuse de la boule? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle court au ralenti? C'est l'amour fou entre elle et... C'est quoi ce truc? Regardez comme elle a l'air heureuse! Mais elle a réussi son coup ou pas? Elle a tiré sur le monsieur ou... À mon avis, elle a tiré sur la boule, elle va... Oui! Elle est tombée amoureuse de la boule! Non mais... Elle s'est fait écraser! Oh! C'est beau l'amour! On a réussi, enfin! Danse de la victoire! Super! On peut pas aller au niveau suivant? Home, groom or bust. C'est parti. Alors, il faut que la proposition de mariage de Francis soit encore plus forte que cela. Pour ce qu'il en est, Misty n'a jamais eu de belles bagues. Alors. She'll be so surprised. Elle va être si surprise. Bon, elle se regarde, hein, Miss Univers, bien sûr, dans sa tête. Un drone? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il faut que je reprogramme le drone de Francis. Mais qu'est-ce que c'est que cette mission encore? Mais on va galérer comme jamais galérer. Alors, on va faire le petit tour habituel. À mon avis, il faut un tournevis. À mon avis, il faut un tournevis. De la glu? Qu'est-ce que c'est que cette clé? Bon bah écoutez, je prends la glu, ça c'est nouveau, mais... Alors attention, hein, également, ils mettent des objets des fois qui ne servent à rien. Donc voilà, mais bon, j'ai une clé, j'ai une glu, à mon avis, il faut un tournevis. Vous savez, pour ouvrir le drone, le reprogrammer, peut-être qu'il faut juste ouvrir, mettre de la glu et refermer, je ne sais pas. Ou alors, il faut mettre quelque chose, je ne sais pas, il y a trop de possibilités. Alors, dans la cuisine, il y a quoi? De l'eau. Alors, déjà, il me dit de trouver la boîte fermée. C'est quoi, ça? Il y a un plan. La maison. C'est bien mystérieux, tout ça, parce qu'en bas à gauche, il n'y a rien, monsieur. Il n'y a rien. Allez, on y va. Elle m'a vu, je m'en fiche. Ah, bah, c'est là. Voilà. J'ai la clé. J'ouvre. J'ai le drone. Alors, use de la glu. OK. J'ai mis de la glu. Je dois trouver le bouton manquant. Hein? Un bouton? Où est-ce que je trouve ça, moi? Oh, faut que je trouve un bouton maintenant. Mais comment je vais trouver un bouton? Mais c'est tout petit, un bouton. Ah, bon, déjà, j'ai trouvé la boîte secrète. Je suis content. Eh bien, écoutez, on va fouiller. Hein. Ça m'étonnerait que ce soit dans le sous-sol. Qu'est-ce qu'elle fait dans le sous-sol? D'habitude, elle vient jamais dans le sous-sol. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai trouvé le bouton violet. Il est ici, dans la salle de musique. Bon, il faut que je redescende maintenant. Hein. Il faut que je redescende dans le sous-sol. Dépêche-toi. Allez, pendant qu'elle regarde sa petite émission de télé. Voilà. Ouvre-moi ça. Descends. Voilà, je place le bouton. Maintenant quoi? Trouve le code. Mais qu'est-ce que c'est que cette blague? Trouve le code. Qu'est-ce que c'est en... Elle m'a attrapé. Ok, super. Je dois tout refaire. Alors en fait, je crois que j'ai trouvé le code. Regardez. C'est ici, je me disais bien qu'il y avait un objet en trop dans le hall. Il y a un papier avec le code. Alors, violet, bleu, orange, jaune et vert. Alors, violet, bleu, orange, jaune. Violet, bleu, orange, jaune. Ok. Il faut retenir. Ah, elle est là. Il faut s'en aller. Violet, bleu, orange, jaune. Violet, bleu, orange, jaune. Parce que c'est la tête de mort, hein. On veut pas le cœur. Donc, violet, bleu, orange, jaune. Ok. Donc, on y va. Il faut aller au sous-sol. Mais là, elle est en plein milieu, donc merci, Misty, de ne pas me laisser faire le truc. J'ai tout récupéré, j'ai la clé, j'ai la glu, j'ai le bouton. Orange, bleu. Mince, j'ai déjà oublié. Orange, bleu. Oh, il faut que j'aille revoir le code. Orange, bleu. Non, violet, bleu, orange, jaune. Je sais plus. Mais elle, il faut qu'elle s'en aille, là. S'il te plaît, Misty, arrête de faire ta petite coquine. Tu sais qu'il se passe quelque chose et tu veux m'embêter. Bon, alors, attendez. On passe par là. J'ouvre. Ok. Alors, c'est quoi le code? C'est violet, bleu, orange, jaune. D'accord.
Violet, bleu, orange, jaune. Violet, bleu, orange, jaune. Faut pas se tromper, hein. Allez, on y va. On passe par là. On ferme ceci. Non, on peut pas. Violet, bleu, orange, jaune. Alors, on ouvre ceci. Tac. De la glu. Et bim. Le bouton. Bim. Et on fait le code. Violet, bleu, orange, jaune. Ah, le vert. Violet, bleu, orange, jaune, vert. Oh, ça a l'air bon. Faut que je m'en aille. Faut que je m'en aille, faut que je m'en aille. Ok, on y va, on y va, on y va. Donc elle est là. Super. Je m'en vais. Est-ce qu'on a gagné? Je ne sais pas. J'espère. Ouh. Va-t'en. Va-t'en. Oui. Cinématique. Il lui fait la surprise. Ah, regarde. J'ai fait mon petit drone. Ouh, il est content. Est-ce que tu veux m'épouser, Misty? Ah. Ah oui. Le drone la pourchasse. Ouh, elle s'envole. On dirait une sorcière sur... Pas sur son balai, mais sur son drone. What? Oh non, elle s'est écrasée comme une crêpounette. Oh, on a gagné. Wouh. Dan, 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 dan. Enfin. Bon, bien écoutez, je pense qu'on ne fera pas les deux autres chapitres parce que vous l'avez vu, on a déjà mis beaucoup de temps pour faire ces deux premiers-là. Et bien écoutez, moi ça m'a vachement plu. Il y a encore beaucoup d'imagination dans ces nouveaux pranks. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu et si vous avez hâte qu'on fasse les deux chapitres suivants. Bien sûr, n'oubliez pas de laisser un max de pouces bleus, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et partagez cette vidéo à au moins l'un de vos amis pour faire grandir la Max Family. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!